5 solutions naturelles contre la rage de dents. Douleur, hypersensibilité, difficulté à s'alimenter ou à s'exprimer. La rage de dents est l'un des maux physiques les plus aigus. En attendant le rendez-vous chez le professionnel de santé, il existe des solutions naturelles efficaces pour soulager la douleur sans avoir recours aux médicaments. L'argile soulage la rage de dents. Rouge, blanche, verte, marron, l'argile est utilisée en cosmétique et en thérapeutique. Venue tout droit de la terre, l'argile a des bienfaits qui soignent l'organisme par voie interne et externe, comme les troubles digestifs, les brûlures sur la peau, etc. Antiseptique, anti-inflammatoire, cicatrisante, l'argile possède de nombreuses vertus et ce, même en cas de douleur dentaire. En cas de rage de dents, vous pouvez préparer un cataplasme d'argile. Préparation d'un cataplasme à l'argile. Prendre un récipient qui ne soit ni en métal, ni en plastique. Disposer la poudre d'argile ou les morceaux d'argile que l'on imprégnera d'eau de source. Utiliser un bâtonnet ou une cuillère en bois pour mélanger le tout et obtenir une pâte lisse. Le cataplasme est prêt, vous pourrez le disposer sur votre joue, là où vous ressentez la douleur, pendant environ une heure. Quand l'argile est sèche, il est inutile de la garder plus longtemps. Il est important d'espacer les poses du cataplasme dans la journée. Si vous souffrez à des endroits différents, il ne faut pas disposer les cataplasmes au même moment, mais plutôt alterner les poses. Ce cataplasme naturel soulagera votre douleur. Il se peut qu'il mette du temps à agir, c'est la raison pour laquelle il faut renouveler l'opération en respectant un certain intervalle. Douleur dentaire, clou de girofle. L'incontournable clou de girofle est sans nul doute le remède le plus utilisé contre la rage de dents. L'action du clou de girofle contre le mal de dents est reconnue par la commission E.1. La senteur du clou de girofle ressemble étroitement à celle que l'on retrouve au cabinet dentaire. Ce n'est pas un hasard car les dentistes utilisent le clou de girofle pour sa composition en eugénol. L'eugénol lutte contre les bactéries, il diminue la sensibilité dentaire et traite la douleur. Comment utiliser le clou de girofle en cas de rage de dents ? Pour obtenir rapidement l'effet du clou de girofle, il suffit de le disposer sur la dent douloureuse en serrant la mâchoire inférieure et supérieure pour le fixer. Sa propriété anesthésiante agit immédiatement. Vous pouvez également mettre 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de giroflier sur un coton-tige et l'appliquer sur la zone douloureuse, sans l'avaler. Avant d'appliquer le clou de girofle sur la dent douloureuse, demandez conseil à un professionnel de santé comme un pharmacien. Le gingembre atténue les douleurs dentaires. Le gingembre est originaire d'Inde. Il est connu pour ses effets aphrodisiaques en stimulant le désir sexuel. C'est un tonique qui est indiqué en cas de grosse fatigue. Ce n'est pas pour rien que cette épice fut la plus recherchée au Moyen Âge et c'est Marco Polo qui permit à l'Europe de faire son heureuse connaissance. C'est à la fin du XIIe siècle qu'on découvre les propriétés cholérétiques et cholagogues de cette fabuleuse herbe. Elle facilite la digestion des graisses et stimule le transit intestinal. Le gingembre a bien d'autres attributs comme celui d'atténuer les douleurs dentaires simplement en mélangeant sa poudre avec de l'eau. Agissant comme une aspirine, le gingembre est un antalgique actif. Utilisation du gingembre en cas de rage de dents. On utilise la pâte consistante que l'on aura préalablement obtenue en mélangeant la poudre de gingembre avec de l'eau. Il suffit d'en imbiber un morceau de coton et de l'essorer pour le mettre sur la dent douloureuse et non sur la gencive. Par son action, le gingembre irrite la zone cutanée pour retenir le sang près de la peau et diminuer l'inflammation. On peut aussi mélanger la poudre de gingembre avec de la poudre de piment rouge. Un révulsif efficace contre les maux dentaires, le piment rouge. Le piment rouge, l'antalgique naturel des douleurs dentaires, le piment rouge ravit certains mets et donne un goût explosif à la bouche. Il colore les plats et apporte une dimension gustative intéressante. Pour soulager le mal de dents, il est tout aussi surprenant. Son principe actif, la capsaïcine, est utile pour lutter contre les douleurs dentaires. Soulageant la douleur, le piment rouge agit comme un antalgique et un anti-inflammatoire. Utilisation du piment rouge en cas de rage de dents. Mélangez la poudre de piment avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. Prendre du coton et le tremper dans cette pâte. Puis essorer, disposer sur la dent en évitant tout contact avec la gencive. Cette préparation est révulsive, c'est en irritant la zone locale qu'elle retient le sang pour atténuer l'inflammation et la douleur. On peut mélanger la poudre de piment avec de la poudre de gingembre.
Les graines de sésame, un antalgique actif contre la rage de dents. Cela fait plus de 1600 ans que les graines de sésame sont utilisées en Chine pour traiter le mal de dents. Elles contiennent des substances qui atténuent la douleur. Les graines de sésame ont des propriétés qui s'apparentent à l'aspirine en agissant comme antalgique. Elles se montrent alors très efficaces pour soulager les douleurs dentaires naturellement. La préparation du remède ne demande que très peu de temps et très peu d'ingrédients. Préparation des grains de sésame pour soulager le mal de dents. Portez une casserole d'eau jusqu'à ébullition et disposez les graines de sésame. Pour une portion de graines de sésame, on préconise le double de quantité d'eau. Pour que la préparation soit efficace, il faut attendre que l'eau s'évapore de moitié. Appliquez directement sur la zone douloureuse.